Et yo tout le monde, c'était Ridil, on se retrouve pour un Halo News qui n'était pas vraiment prévu. On a eu l'actu qui est tombée juste ce soir là, via un post sur Halo Waypoint. Halo Infinite est décalé à 2021, donc on ne sait pas à quand en 2021, ça fait mal d'entendre ça. Donc ils énoncent de multiples facteurs, ainsi que le Covid qui a eu un impact majeur dans le développement et qui a énormément affecté la présentation du jeu. Alors quand on a vu la démo, on se doutait qu'il y a des choses qui allaient pas, mais on espérait très fortement que le jeu soit maintenu pour cette année, même si c'est pour qu'il soit corrigé au fur et à mesure des mois. Visiblement, le jeu ne serait pas livré dans une forme correcte, donc ils ont décidé de le décaler à 2021. Donc je répète, quand pour 2021, on n'en a aucune idée. Moi, si je peux donner mon avis, c'est que s'ils le décalent, c'est pas pour 2 mois, sinon ils auraient fait un patch. C'est sans doute pour plus. Donc je pense qu'ils vont rapidement le préciser parce que tout le monde va le demander. Alors bien entendu, on vous tiendra au courant. D'ici là, portez-vous bien. Et le Vivalo va faire mal pour cette fois-ci.